Classification périodique des éléments. Quant à classification complète et simplifiée, premièrement, la classification périodique moderne. Vous avez ici deux liens qui vous permettent de voir le tableau périodique des éléments et de comprendre comment ils sont classés. Nous remarquons dans un premier temps que chaque élément chimique est désigné par une lettre en majuscule, puis éventuellement une seconde lettre en minuscule, voire une troisième lettre dans ce cas-là. Le premier élément chimique est ainsi l'hydrogène, puis l'hélium, puis le lithium, beryllium, etc. Ces éléments chimiques sont classés par numéro atomique Z croissant, c'est-à-dire nombre de protons croissant. 1 pour l'hydrogène, 2 pour l'hélium, puis 3 pour le lithium, 4 pour le beryllium, 5 pour le bore, etc., etc. Ce tableau comporte 18 colonnes et 7 lignes. 3, 4, 5, 6, 7. Le tableau comporte bien 112 éléments chimiques caractérisés par leur nombre de protons de Z égale 1 à Z égale 112. La classification périodique moderne. On classe actuellement les éléments chimiques dans un tableau. Le tableau périodique des éléments comporte 112 éléments chimiques connus. Il est constitué de 18 colonnes et de 7 lignes ou périodes. On distingue deux catégories d'éléments, les métaux et les non-métaux. Les éléments sont classés dans le tableau par numéro atomique Z croissant.